African, African. In a world so cool, so cool. I was born as an African, African. Even though the half has never been new. Take me back again. Please, Mama Africa. Bring me home again. I won't go back to my roots again. En fait, Chouchou, c'était vraiment pas mon type de mec à la base. Au début, il m'intéressait vraiment pas. La première fois que je l'ai vu, même, je me suis dit, c'est certainement pas avec lui que je me marierai un jour. Comme quoi, hein. Tu m'écoutes? C'est à toi que je parle. C'est absolument mon type de femme, Mimi. C'est la femme de ma vie, même, je dirais plus. Voilà. Elle est calme, elle est posée, intelligente. Tout ce que j'aime chez la femme, quoi. Difficile quelquefois, mais bon, j'arrive à la dompter. Bon, je suis un lion, hein. Vous savez, hein. Voilà quoi. Et puis dehors, de temps en temps, je vois les gens qui la regardent là. Les chasseurs. J'ai l'œil chez vous, hein. Vous inquiétez pas. C'est comme ça que je fais du sport pour maintenir. Ok? Dis-moi, pourquoi est-ce que les hommes ne peuvent pas rester fidèles? Je comprends pas. Mais non, ma chérie. C'est pas tous les hommes qui sont infidèles. T'en connais beaucoup, toi, des hommes fidèles? Bon, d'abord, pourquoi tu me poses cette question? Je comprends pas. Tu m'as déjà trompé, Chouchou. Une minute. Franchement, je comprends pas les femmes. Je pose des questions bizarres. Elle me demande si je l'ai déjà trompé. A ton avis, est-ce que moi-même je suis bête même pour répondre à ça, hein? Mimi. Chouchou, on va se marier dans un an. Faut que je sache dans quoi est-ce que je m'engage. T'es sûr? Oui, bien sûr que je suis sûre. Bon, je t'ai jamais trompé, ma chérie. C'est bien vrai? Bien sûr que je t'ai jamais trompé. C'est vrai, tu m'as jamais trompé. Jamais. Ok. Tu me crois? Oui, je te crois. Ça fait maintenant 3 ans qu'on vit ensemble dans cette maison. Et si tout se passe bien, on célébrera le mariage dans un an. Mais je dois dire que la vie en couple, c'est pas facile, tous les jours. Cependant, on a réussi à surmonter ça ensemble, tous les deux. À surmonter toutes les difficultés. La famille, il y a quelque chose qui me tracasse là depuis, mais bon, je vais la partager avec vous. Moi, mon avis, franchement, tromper sa femme, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Puis de nos jours, vous-même, vous voyez, hein, vous marchez dehors, là, vous les voyez, les femmes, comment elles sont jolies, coquettes. Avec les leggings, waouh, le phénomène leggings, mon frère, si tu les vois. Waouh, comme ça, forme de guitare, tout ça, elle passe. Chez nous, on appelle ça commando. Ça veut dire qu'elles sont prêtes pour nous, mon frère. Donc, on fait comment? C'est la tentation est trop là, tu vois ce que je veux dire, non? Donc, voilà, c'est des questions, on ne peut pas répondre. Mais, tu vois, on est dans le jeu, c'est du sport, donc on reste fair play. C'est pour ça, moi, je fais toujours mon petit sport, tu vois. Et je suis toujours en mouvement. Donc, voilà, quoi, je ne peux pas répondre à ça. Après, voilà, hein, trouver l'homme, ou juste trouver la personne avec qui on va passer le restant de sa vie, c'est pas chose facile. Le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui s'arrêtent au premier jour, à la passion, au désir, mais ça, c'est pas quelque chose qui peut continuer toute la vie. Le truc, c'est que ça reste de l'amour, mais l'amour prend un autre visage après. Et beaucoup de gens ont du mal à accepter ça ou à gérer ça, ils comprennent pas, et c'est pour ça qu'ils vont vite aller voir ailleurs. Par exemple, avant de rencontrer Chouchou, j'étais sur le point de me marier. Et puis, ouais, je croyais avoir trouvé le bon, c'était sûr. Pareil, c'était une évidence, je l'aimais, quoi. C'était l'homme de ma vie.
Mais bon, il y avait, vous savez, il y a ce qu'on appelle le sixième sens. Même si on ne voit pas les choses directement, on sent que les choses ne sont plus comme avant. Et on sent que ça vient de son partenaire aussi. Donc j'ai commencé à avoir des doutes, quoi. Alors j'ai un peu fouiné, je suis allée regarder son historique Skype. Et là, voilà quoi, j'ai trouvé un message et qui montrait, c'était clair. Il a... Take me back again.